L'Italie perd 7 millions d'euros chaque jour, à cause des sanctions anti-Roussel. Mesures restrictives à l'encontre de la Russie ont causé des pertes considérables à l'économie italienne. Ces dernières s'élèvent à 7 millions d'euros par jour, sans parler de la perte d'emploi, a déclaré Roberto Mura, ancien sénateur italien. L'économie italienne subit des pertes quotidiennes d'un montant de 7 millions d'euros en raison des sanctions de l'Union européenne contre la Russie, a révélé l'ancien sénateur italien Roberto Mura lors d'une rencontre avec le leader de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov. Les sanctions ont gravement nui à notre économie et les données que je possède indiquent que l'Italie perd 7 millions d'euros par jour. Nous avons perdu 10 000 emplois depuis l'imposition des sanctions. Voici pourquoi les sanctions ne sont donc pas seulement le problème de la Russie mais aussi un énorme problème pour l'Italie, a avoué le sénateur. Il a notamment souligné que la rencontre avec le leader de la Tchétchénie était importante car lui et ses collègues veulent établir des relations avec la Russie. Nous espérons que notre rencontre contribuera à cela et permettra de renforcer et de promouvoir notre coopération, a ajouté M. Mura. Il a notamment évoqué l'intérêt des entrepreneurs italiens dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de la santé et autres qu'ils pourraient développer dans la région tchétchène. Ramzan Kadyrov a à son tour souligné le souhait de sa région de coopérer avec l'Italie en exprimant l'espoir que cela profiterait à la Tchétchénie et à la Russie dans son ensemble.